Et bonjour et bienvenue à la Garageux. Aujourd'hui, c'est un live un peu exceptionnel puisque c'était pas du tout prévu, mais j'ai reçu hop, un colis. Et du coup, évidemment, quand je reçois un colis de jeux de société, ben, j'essaye d'en faire un unboxing. Donc aujourd'hui, l'unboxing de quoi? Eh ben, de ce jeu hop, que vous devinez parce que tout le monde est en train de le recevoir, qui est Kingdom Rush. Alors, qu'est-ce que c'est que Kingdom Rush? Alors, je vais l'ouvrir en même temps. Je l'ai reçu il y a un quart d'heure, parce que le facteur passe assez tard le samedi. Et c'est un jeu qui est une adaptation du jeu d'appli, du jeu mobile, hein, Kingdom Rush. Et donc ils en ont fait une adaptation pour jeu de société. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs coopératif. On appelle ça un Tower Defense. Pourquoi Tower Defense? Tout simplement parce que on va tous en coop essayer de survivre aux affrontements, à l'invasion des monstres qui vont arriver entre guillemets sur nous, dans notre cité. Alors, désolé pour le son. L'unboxing égale aussi du bruit de déballage de carton. Et salut, salut Loïc, surprise, surprise. Hey. Bienvenue à toi. Toi, tu l'as reçu plus tôt que moi. Donc voilà l'unboxing non prévu. Donc c'est pour ça que les viewers ne sont pas au courant. Donc là, ça fait une grosse boîte quand même. Vous voyez, il y a pas mal de matos dans la boîte. Donc c'est un jeu de Lucky Duck Games. Les auteurs sont Jesse Wright, Sen Fung Lim et Elana Hop. Alors désolé pour les accents, encore une fois, je ne suis pas le meilleur au niveau des accents, mais c'est important de souligner quand même les auteurs autrices et illustrateurs. On a Matheus Komada et Katarzyna Kozobuka. Désolé pour l'accent, encore une fois. Alors donc, qu'est-ce qu'on a? Et bien du coup, on a le jeu de base, évidemment. Hop! Voilà, qui s'appelle Faille temporelle. Donc, ce sont des parties qui vont être de une à deux, qui vont durer de 1 à 2 heures, donc en coop. Ce qui est intéressant aussi sur ce Tower Defense, c'est qu'il est, on va dire, le gameplay est familial dans le sens où c'est accessible au plus grand nombre. Il y a des très très bons Tower Defense, hein, comme évidemment Cloudspire qu'on pourrait assimiler Tower Defense, mais qui est pour des joueurs évidemment beaucoup plus avancés. Donc, Kingdom Rush, l'avantage, c'est que c'est accessible au plus grand nombre. Et ça se veut aussi se jouer en campagne, puisque vous allez donc évoluer, améliorer vos personnages, vos persos, améliorer vos défenses. Et du coup, de partie en partie, vous allez affronter des vagues d'ennemis de plus en plus difficiles, jusqu'au moment où vous allez, à la fin de la campagne, arriver sur un boss ou des boss, puisqu'il va y avoir des extensions de boss. Donc voilà, comme je disais, la boîte. Alors, j'ai des contre-jours, hop, je vous montrerai tout à l'heure, mais la boîte de base, hop, on a, hop, parce que j'ai la lumière derrière. Ensuite, on a quoi? Et bon, là, les extensions. Donc, l'expansion 3D Tower. Voilà. On a, hop, donc ça, c'est le All-in, hein, que je vous montre, hein, la déesse araignée. Donc, là, pareil, un des boss. Ensuite, on a donc lui, le Moloch Vezman contre Moloch. C'est parti aussi des extensions disponibles. Hop. Ensuite, on a Gérald contre Lightseeker. Alors, il faut savoir que c'est un jeu qui est, donc là pour le coup, c'est un jeu en français. Vous pouvez l'avoir en version française et en version anglaise. Donc là, contrairement à l'unboxing que j'avais fait et la partie d'Altar Quest qui est un jeu que en anglais, là c'est un jeu en français. Et là, c'est les upgrades, donc c'est quoi? C'est le pledge, c'est ce qu'on avait eu dans les. C'est un jeu qui était en financement participatif, en Kickstarter, qui a eu 12 000, quand même 12 000 personnes qui ont participé à ce financement. Et ils ont récupéré plus de 1 million, presque 100 000, 1 million d'euros. Donc ça a très très bien marché. Évidemment, il y avait la licence déjà derrière qui aide. Qui aide, qui aide. Donc voilà, à l'arrivée, ça nous fait déjà une bonne grosse boîte, puisque si je mets tout ensemble, ça va nous donner ça. Hop. Et on va regarder le matos, évidemment, qui est dedans. Voilà, alors il faut savoir que maintenant, il est arrivé en boutique en même temps. Donc ça fait ça, hein, voilà. Hop. Donc ça fait déjà. Ça fait. Il va falloir déménager, parce que là,
va plus y avoir de place. À chaque fois, les jeux, c'est des gros jeux. Enfin, des gros jeux où ça prend beaucoup de place au niveau des boîtes. Hein. Voilà, hop. C'est pas le petit jeu dans la ludothèque. Donc, il y a pas mal de matos, il y a pas mal de choses à faire, sachant donc que ça, moi j'aime bien les jeux en campagne, donc ça se joue en campagne. Vous pouvez jouer avec vos compagnons et vos compagnes aussi, évidemment. Salut Odd, pas reçu encore pour ma part. Et il paraît qu'il y a des containers qui arrivent la semaine prochaine. Donc c'est vrai qu'il y a eu deux vagues. Il y a eu la vague qui a, enfin, il y a eu la vague, cette vague qui arrive du coup aujourd'hui, où il y en a pas mal qui le reçoivent le samedi. Alors, il y a le chien d'ailleurs qui m'attaque, voilà, pardon. Et il y a une autre vague qui arrive la semaine prochaine, sachant que c'est disponible alors en même temps en boutique, mais parce que donc ils avaient demandé quand même à je vais y arriver. Lucky Duck Games avait effectivement dit que si ça gênait pas les pledgeurs qu'ils soient disponibles en même temps en magasin pour Noël, mais en magasin il n'y aura pas tout, il n'y a pas toutes les extensions, il y a la boîte de base, mais il me semble qu'il y a certaines extensions qui ne seront pas disponibles. Donc Odd, tu l'as récupéré aussi. Je ne sais pas si tu as la version. Tu as pris tout le all-in ou tu t'es, as été plus sage que moi et tu as pris que le. Il est dans mon entrée. Et ben voilà, fallait aller regarder. Heureusement que je fais un live. Voilà, hein. Au moins je t'y fais penser. Tu vas voir, c'est très bien. Voilà, donc on va faire le déballage, là c'est le but de l'unboxing, hein, on va faire un déballage. Et après, si jamais le jeu vous intéresse, il n'est pas all-in, d'accord. Il n'est pas, comment dire, il n'est pas débloqué à la garageux, puisque vous savez que c'est vous qui débloquez à chaque nouveau niveau, vous débloquez deux nouveaux jeux. Donc ça pourrait être débloqué plus tard. Par contre, je fais souvent des événements un peu spéciaux, donc en dehors des mercredis, où là je vous montre quand même un jeu que je viens de recevoir. Donc comme AlterQuest, où j'avais fait les règles et où je vous avais fait une partie en let's play. Ça peut être possible si en commentaire sur YouTube, quand vous regarderez le replay, parce qu'il y a un replay disponible à la garageux, si le jeu vous intéresse, je pourrais tout à fait faire une soirée spéciale sur ce jeu-là, sachant qu'après, ben, il faut que vous le débloquiez dans les prochains jeux, sinon au niveau 14 ou au niveau 15, etc. All-in, je suis faible. Mais t'inquiète pas, on l'est tellement tous. Donc voilà. Et oui, bon, mais c'est chouette. Je pense, alors je vais vraiment me faire un plaisir ce week-end de lire les règles et puis de faire ma première partie avant de vous le montrer. Mais c'est vrai que ce qui est chouette, c'est que ça va être un jeu qui va être accessible pour jouer avec tout le monde. Donc ça va être pas mal. Après, il faut voir le mode campagne. Je sais qu'il y a de toute façon toujours on peut y jouer en scénario individuel aussi. Mais le but quand même est de pouvoir jouer en mode campagne à ce jeu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer sur l'autre caméra pour vous montrer le matos. Et je vais en foutre encore partout comme d'habitude. Donc voilà, il marque 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs. Hop. Donc là, on avait ça ici. Allez, on passe sur l'autre caméra et je vous montre tout ça. C'est parti. C'est parti, c'est parti. On va peut-être mettre plus de lumière pour l'autre caméra, sinon on va pas y voir grand-chose. Alors, nous avons quoi dans la boîte de base? Nous avons ça. Donc évidemment, le manuel, les règles du jeu. Donc là, c'est en mode impro, hein. Je viens juste de le recevoir, je dis allez, c'est parti. Du coup, Eudes, tu vas déballer en même temps que l'unboxing, tu vas déballer ton jeu. Alors. Voilà, mise en place du jeu. Bon, bah écoutez, ça a l'air épuré, il y a les explications avec les tuiles. Alors, comme je disais au tout début, hein, vous allez avoir vos plateaux de personnages et puis on va avoir des tuiles qui vont se placer. C'est vraiment, ils ont essayé de faire évidemment au plus proche de l'adaptation du jeu mobile, puisque c'était quand même le concept. Il y a beaucoup de gens qui l'attendaient parce que le jeu mobile a fait énormément de succès. Mode solo, parce que du coup c'est prévu aussi, évidemment, pour jouer tout seul. Donc là, je ne vais pas vous les dévoiler, mais vous avez évidemment le livret de scénario avec l'introduction. Faille temporelle est un jeu de campagne. Dans ce livret, vous trouverez 10 scénarios de campagne. Veuillez d'abord lire le livret de règles, puis suivez la mise en place du premier scénario. Voilà. Il est fortement recommandé de jouer les scénarios dans le bon ordre parce que chaque scénario introduit de nouveaux éléments de mécanique de jeu et que chaque épisode raconte une partie de l'histoire qui se déroule. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein. C'est un jeu qui se joue en campagne, donc on va évoluer et les règles vont évoluer aussi petit à petit.
Hop, donc là nous avons la map. Donc là c'est pareil, là c'est intéressant, ça c'est très sympa, j'aime beaucoup le concept. Voilà, on commence à un endroit et puis petit à petit on va avancer avec, avec tous les scénarios qui vont se débloquer, etc. Donc, très sympa. Hop. Du dépunchage à faire évidemment. Dépunchage à faire. Ah oui, c'est intéressant de voir pourquoi, parce qu'il y avait des personnes qui se posaient des questions sur la qualité du matos, du matériel du jeu. Donc on va voir ça. Bon, pour l'instant, la fiche de token, elle n'est pas très épaisse, mais bon, après, c'est pas parce qu'elle n'est pas très épaisse que ça va pas. Il y a pour l'instant rien de notable, on va dire. Maintenant, effectivement, c'est pas de l'ultra rigide, parce qu'il y en a qui se posaient la question de savoir si c'était rigide ou pas. Voilà. Hop. Rapport au matos de jeu. Là, nous allons avoir évidemment les tuiles. Lesquels vont se dérouler les scénarios. Voilà. Si vous avez des questions dans le chat, évidemment, n'hésitez pas, puisque comme c'est en live, même s'il y aura le replay. Alors, on ne va pas pouvoir mettre plus haut. Y a du matos déjà dans la boîte de base, hein. Vous voyez, il y a déjà de quoi, y a déjà de quoi faire. Donc là, effectivement, vous voyez, ça c'est pour la déco, mais on va mettre les tuiles au milieu qui vont arriver petit à petit. En fonction des scénarios. Hop. Donc je vous montre un tout. L'idée du unboxing, je le découvre en même temps que vous, hein, puisque du coup là j'ai, c'est vraiment ouverture de boîte. Donc après je lirai les règles et si ça vous intéresse, je ferai une partie en direct. Mais là évidemment, c'est vraiment, je viens juste de le recevoir. Donc je vous montre juste le matos aujourd'hui. Et après, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse une partie, évidemment. Hop. Alors, voilà pour les tuiles. Vous avez vu, il y en a pas mal quand même. Il y a pas mal de tuiles. Toujours pareil, avec tous ces jeux, il y a des heures et des heures de jeu. Voilà. Et ça, c'est l'insert que vous avez dedans. Voilà comment c'est fichu à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on a? On a toutes les figurines que je vais vous montrer. Hop. Voilà. Alors, hop. Si je mets quelque chose derrière, est-ce que ça va être mieux ou pas? On va les voir. Hop, je vous les montre. Voilà, là on le voit bien. Comme ça, vous faites une idée vous-même. Hein. Vous faites vous-même votre idée de la qualité des figurines et du jeu. Voilà. Elle est sympa celle-là, tiens, j'aime bien d'ailleurs. Voilà pour les détails. Hop, lui, on l'avait montré. Voilà. Et ensuite, nous avons quoi? Et bien évidemment, on a les plaques pour mettre les différentes tuiles que vous avez vues tout à l'heure. Donc, les plaques, il y en a plein. Ensuite, vous avez quoi? Et bien, on a les boss, les cartes, donc les plateaux joueurs. Je vais dézoomer pour vous montrer. Hop. Voilà, effectivement, les plateaux joueurs sont pas très. Pour le coup, c'est vrai que. Alors, c'est pas abîmé, hein, mais c'est vrai que les plateaux joueurs, ça fait un peu. Pour le coup, ça fait un peu cheap, quoi. C'est pas, ça tient pas très bien. C'est pas, on a vu mieux au niveau plateau joueur. Au niveau qualité de plateau joueur, on a vu mieux par contre. Voilà. Et merci à toi, Cyril. Merci, merci. Donc voilà, le plateau joueur. Alors, du coup, au niveau, on va dire, hop, des illustrations qui sont dessus, ça va, hein, ça fait son job. Mais par contre, c'est vrai que c'est très.
J'ai peur que dans le temps, vous voyez, ça se pète facilement quand même. C'est assez. Voilà. Au niveau solidité, il faudra faire gaffe. Et salut à toi, Magicotique. Salut, salut. Bien le bonjour. Voilà, donc là je vous ai montré tous les plateaux personnages de la boîte de base. Donc encore une fois, ce qui est écrit dessus, ça va, ça fait son taf. Par contre, c'est vrai que c'est pas du super double cartonné, etc. On a vu mieux. Hein. On a vu mieux, on a vu mieux. Donc là encore une fois, je vous fais juste un unboxing, mais j'essaie de vous montrer tout le matos. C'est un peu long. Mais de toute façon, vous avez l'habitude, à la garageuse, c'est toujours un peu long. Voilà, et comme ça, vous voyez un peu tout le matériel. C'est vraiment, voilà, l'épaisseur des cartes, etc. Bon, ben, écoutez, ça, c'est là. Voilà. Ça arrive en bon état. Heureusement, c'est neuf. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu, en tout cas, mettre un grammage un peu plus épais, on va dire, par rapport au perso, etc. Pour les fiches, c'est un peu juste, quoi. La boîte est grosse. Désolé, je suis en retard. Alors la boîte de base, est-ce qu'elle est grosse? Alors attends, hop, tu sais quoi? Ce qu'on va faire, c'est ça. La boîte de base, elle fait ça. Voilà. Donc ça, c'est la boîte de base. Sachant qu'après, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, pour ceux qui arrivent en retard, il y a ça. D'accord? Il y a tout ça. Parce que ça, c'est les extensions. Mais il y a déjà pas mal de matos dans la boîte de base. Salut à toi, le ludopathe. Je suis venu baver sur le contenu de la boîte en attendant de recevoir la mienne. Et je me suis dépêché. Je me suis dépêché. Voilà. Tu le reçois quand du coup, le ludopathe? Tu le reçois aujourd'hui aussi ou tu le reçois la semaine prochaine? Alors, au niveau des boss. Voilà. Voilà. Lui, il est marrant, il est sympa. Il est sympathique. Et oui, et sop tout ça va faire de la place. Il faut déménager. C'est ça, il n'y a plus de place dans l'armoire. Voilà pour le boss. La boîte est monstrueusement grosse. Je n'ai aucune notification pour le moment. Je croise les doigts pour la semaine prochaine. Oui, tout le monde va le recevoir la semaine prochaine de toute façon. Il y en a une grande partie aujourd'hui. Et ceux qui l'auront partout aujourd'hui, ils vont le recevoir la semaine prochaine de toute façon. Voilà. Donc ouais, il y aura le replay qui sera de toute façon sur YouTube. Et puis si vous ça vous intéresse, comme je disais en commentaire, n'hésitez pas sur le replay à le dire et je pourrais faire une explication des règles et puis faire une partie et vous faire jouer à la garage tous ensemble à ce jeu, même s'il n'est pas encore débloqué. On pourra faire une soirée exceptionnelle et puis après rien n'empêche à vous de le débloquer dans les prochains niveaux évidemment. Voilà. Et donc logiquement, je disais donc ça va être un jeu qui est au niveau des règles qui est accessible. Hein. C'est comme c'est tiré le fameux jeu mobile, Kingdom Rush, le fameux jeu mobile. Les règles seront accessibles pour pouvoir jouer avec tout le monde. Magicotique, toi du coup tu l'as pledge aussi ou pas du tout? Alors là encore une fois, vous avez vu, il y a pas mal de cartes pour les tuiles. Donc on va mettre, hop, il y a les emplacements ici. Et on va les mettre dedans. Boum. Voilà. Ce qui va permettre, hop, de les déplacer. Alors, du coup, les cartes, elles sont vraiment. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait plus épais. Alors, c'est vrai que c'est un peu juste au niveau du grammage. Bon, après, quand on va les mettre là-dedans, c'est bon, pas de problème. Mais c'est vrai que le grammage aurait pu être mieux. Donc là, effectivement, comme c'est l'appli mobile, là, on va tirer des cartes. Et on va voir ce qui va se passer au niveau des monstres. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. De toute façon, c'est toute l'idée. Ça va être. Voilà. Pour le contenu. Ça vous donne une idée en tout cas des cartes et de comment ça va se dérouler. C'était un jeu qui était très attendu puisqu'il est très il a un franc succès sur mobile depuis des années. Donc tout le monde l'a attendu entre guillemets de pied ferme, on va dire. Alors on sait que j'avais mis les cartes comme ça. Voilà, ça je vous ai montré. Je vous ai presque montré toute la boîte de base. Il y a celui-là. Salut à toi Joypad, salut, salut. La figurine que tu as montrée tout à l'heure fait quelle taille? Elle a l'air énorme. Alors, je te montre ça de suite, le ludopathe. C'est parti. Ça fait ça. Alors ça dépend.
Voilà en gros. La façon. Hop. Alors là, j'ai pas pris le. J'ai pas mon. J'ai pas ma règle. J'aurais pu choper la règle. Mais si t'as vraiment. Si vous voulez vraiment savoir exactement la taille, je peux regarder. Mais comme ça vous donne déjà une idée. Voilà. Ça vous donne une idée. Alors, je reviens là-dessus sur mes cartes. Hop. Et. On y va. Et bien le bonjour aux 10 spectateurs. C'est sympa qu'il y ait du monde parce que j'avais pas du tout prévu cet événement, ce live-là. C'est vraiment parce que je viens de recevoir le jeu il y a plus d'une demi-heure maintenant. Voilà, et donc là, encore une fois, déballage du matos. Voilà. Voilà, je vais pas tout vous montrer, évidemment, mais ça vous donne une idée. Un petit peu de ce que l'on a sur les cartes. Voilà. Donc ça c'est bon, on a fait presque le tour de la boîte de base, hein. Il ne reste pas grand-chose. Ça c'est quoi? Ça va être les. Ah, ça va être. Du coup, on va mettre des transparents après sur les cartes. Donc du coup, c'est les transparents qu'on va rajouter après sur les cartes quand on va se passer des choses. Voilà, les transparents. Hop. Alors j'ai fait le tour là, de l'unboxing de toute la boîte de base déjà, et il restait plus que ça. Hop. Voilà. Et pour finir, Ojiketo, combien il coûte et combien comment s'appelle-t-il? J'ai pas encore choisi mon cadeau de Noël. Ouais, voilà. Merci le ludopathe. C'est Kingdom Rush. Donc c'est l'adaptation du jeu mobile. Donc si jamais tu connais le jeu mobile ou que tu vois comment ça fonctionne, c'est un Tower Defense. Donc c'est le même concept, hein. C'est pareil, c'est pour essayer vraiment de reprendre les mêmes mécaniques, mais en jeu de société, de 1 à 4 joueurs. Si tu aimes les Tower Defense et que tu aimes l'appli mobile, tu aimeras ce jeu. Voilà, alors combien il coûte? Alors moi j'avais pris le all-in, je sais pas, là comme ça, juste le jeu de base. Je sais pas à combien il part en boutique, parce qu'il est disponible. Le jeu de base est disponible en boutique. Donc ceux qui ne l'ont pas pledge pourront quand même l'acheter en boutique. Alors par contre, regardez, ça c'est moins drôle ce que je vois là. Effectivement sur la boîte, hein, là on va le voir là. Vous voyez ici, je viens juste de l'ouvrir. Regardez laquelle. Là par contre voilà, comme c'est un peu juste au niveau même le carton, les cartes et tout est un petit peu trop fragile on va dire. Donc c'est vrai que là, par exemple, vous avez vu, là, ça m'arrive rarement, mais là, hop, la boîte de suite, elle est déjà un peu abîmée, malheureusement. Donc, alors que je viens juste de faire l'unboxing devant vous. Voilà, donc c'est un peu le souci quand le matos, il est un peu ledge. Ça reste raisonnable vu le contenu. 55 euros en version boutique. Mais oui, après, le contenu est très bien, c'est plus la. Voilà, la qualité du matos, on va dire, qu'aurait pu être un peu plus avancée. Alors, là, je vous ai montré donc tout ce qui était dans la boîte de base. Hop. Je peux vous montrer un petit peu le contenu des extensions. Donc, tout à l'heure, je vous disais. Alors, c'est ce bordel, hein, parce que voilà. Donc, il y a plein d'extensions. Il y a l'extension ici de la déesse araignée. Est-ce que vous voulez voir le 3D Tower ou qu'est-ce que vous voulez voir comme extension? Laquelle vous voulez voir? Il y a celle-là, vous me dites, DS Araignée. Il y a les 3D Tower Expansion. Il y a ce que vous avez. Ça, c'est ce qu'on a eu avec le Kickstarter. Et sinon, on a les deux mini-boîtes. Celle-là ou celle-là. Est-ce qu'il y en a une que vous voulez voir en premier? On peut se mettre dans le. Hop là, voilà. Aujourd'hui, je fais même un unboxing avec les boîtes dans le bon sens. Si c'est pas fou ça. L'araignée. Allez, si tu veux, du coup, l'araignée. Ah, si vous voulez tous voir l'araignée, et bien comme ça, vous mettez tous d'accord. Je vous rappelle aussi, comme il y a du monde, que lundi soir, il y a le grand quiz de la Garageux. On a 9 invités et il y a 12 jeux de société à gagner. À 21h, ce lundi, sur Twitch, hein, 12 jeux de société à gagner. Vous aurez 30 questions à répondre et on a la chance d'avoir plusieurs chaînes et chroniqueurs ludiques qui seront là. Et on aura aussi les auteurs de jeux de Way of the Samurai, l'Elon Edition, et on aura aussi Jeff de Dinoblivion et Goblivion qui seront là en invité. Donc ça va être une très très belle soirée ce lundi. Alors, la déesse araignée, c'est parti.
Est-ce qu'on peut dézoomer un peu? Non, je suis au max. Ok. Hop là. Donc ici, livre de scénario, évidemment, puisque du coup on est assez en, toujours pareil, un mode campagne. Donc livre de scénario, déesse araignée. Hop, les tokens. Ici, on a quoi? Et bien justement, on a les deux figurines qui vont bien. Elles sont grosses, hein, les figurines, hein, pour le coup. Là-dessus, pareil, il y a de quoi peindre, hein, ceux qui veulent peindre. Dans ma main, voilà, c'est. Voilà. Et lui, qui est sympathique aussi. Pareil, encore une fois, dans la main, ça donne ça. Si je dézoome. Voilà, par rapport à la main. Voilà. Hop. Ensuite, dans le matos de la boîte, bah, du coup, on a ça. Donc on a les plateaux de perso évidemment. Après comme encore je découvre comme vous pendant le live. Hein, donc c'est en direct. Bon les plateaux pareil que tout à l'heure de toute façon. Voilà pour les illustrations. L'insert, par contre, il est bien. L'insert est bien, du coup, ça permet de bien ranger. Il n'y aura pas de problème. Pour ranger, il n'y aura pas de problème. On n'aura pas de soucis pour les sleeves, etc. Donc voilà ce qu'on a dans cette extension de l'araignée. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez voir en particulier ou que vous voulez que je m'arrête sur certains détails, n'hésitez pas, parce que c'est le but du live, hein. C'est que du coup, je m'adapte à vos souhaits, entre guillemets. Alors, hop. Voilà. Hey, petit héros, tac. Il est sympa, lui. Il est sympa. Voilà, et ici, nous avons les cartes. Voilà pour cette extension. Hop, je vous montre vite fait les cartes. Bon, une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, j'ai mis que le. J'ai mis aussi sur Facebook, mais je n'ai pas regardé le multi-stream. S'il y a des mondes qui discutent sur Facebook, il faut que je regarde quand même. Et là, donc, les cartes. Hop, voilà. Encore une fois, c'est un jeu qui se joue en campagne. Donc vous allez faire évoluer vos personnages et les ennemis vont devenir de plus en plus forts et vous allez après affronter à la fin les boss des extensions. Donc là, il y avait le boss araignée et le boss Treant. On avait choisi pendant Kickstarter hein, quels étaient les boss que l'on voulait débloquer. On avait eu ces choix-là. Donc là, bon, je ne vous montre pas tout, mais voilà les cartes, quoi. En tout cas, il y a du matos, il y a de quoi faire. Je pense qu'on va pas s'ennuyer en tout cas. De toute façon, à la garage, moi, je m'ennuie jamais. J'ai même pas le temps de jouer au jeu que j'ai envie parce que je suis sujet aux envies de chacun pour pouvoir jouer les jeux qui vous intéressent. Voilà. Et bien, écoutez, j'ai fait cette boîte-là. Est-ce que vous voulez voir en plus ou pas les donc là, j'ai quoi? Je peux vous montrer les stretch goals si vous voulez. Hop, puisqu'on y est dans la foulée, si vous voulez voir les stretch goals, c'est possible.
Sachant qu'après, on a encore trois extensions. Hein, donc, il y a quand même du matos, hein, encore une fois. Voilà. Alors, je replace sur l'autre. Falloir tout ranger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc, upgrade. Ça, la boîte d'amélioration. Hop. Donc encore une fois, c'est un jeu qui est disponible dans la version de base en boutique, qui vient d'être disponible en boutique. Et sinon, ben là, les pledges arrivent aujourd'hui et arrivent la semaine prochaine pour ceux qui ne les ont pas la chance de les avoir eus cette semaine. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Et salut, merci d'avoir aimé le stream. Donc du coup, ben, c'est ce qu'ils ont offert en plus. Hein. Donc là, on a. Alors là, vous n'allez pas le voir là, pardon, vous allez le voir ici. Voilà. Petite affiche. Hop, ensuite on a quoi d'autre? Bon, les rangements. Rangements en plus. On a. Du coup, c'est bien ça pour ranger tous les tokens, etc. C'est les. Voilà, là on a ici tout ce qu'il faut pour ranger. C'est vraiment les boîtes de rangement. Boîtes de rangement, pour sauvegarder les campagnes aussi, etc. Hop. On a encore cette extension qui est 3D Tower. Hop. Après, il faudra regarder tout ça. Il faudra jouer à tout ça, évidemment. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Allez, je le mets sur l'autre. Je fais du bazar. Donc là, pour faire les tours en 3D, il va falloir faire du petit montage. Hop, là on a tout ce qu'il faut. Ça sera plus fun. Et puis c'est bien, les tours en 3D avec du carton, ça pour le coup, je trouve ça très bien. Alors, on en parlait hier avec Asmo. Et on disait effectivement, moi, je disais que du coup, les figurines et tout, le plastique, c'est bien. Mais si on peut commencer à éviter d'avoir trop de plastique, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est très bien, très bonne idée. Donc là, il y en a deux. Il y a deux inserts pour les tours. Alors, si j'arrive à les sortir. Ça fait du bazar. Vous avez ça. Je le mets sur notre caméra. Voilà. Vous en avez deux comme ça en fait. Dans les 3D, 3D Tower Expansion, vous en avez deux pour pouvoir mettre hop, chaque tour sera hop, en 3D. Voilà pour ça. Là-dessus, on est bon. Et après, il nous reste, donc ça c'est pour faire les tours en 3D. Et il nous reste encore deux extensions qui sont ces deux-là. Allez, je vais les ouvrir rapidement, comme ça on aura tout vu. C'est parti. Donc, Weznan contre Moloch. Veznan contre Moloch. Kingdom Rush, un jeu de Lucky Duck Games. Pareil, un livret de scénario, introduction. Et là, on a des nouveaux héros, on a tout un tas de nouvelles missions à faire. Donc, toujours pareil, le plateau. Les cartes de référence. Et puis aussi, évidemment, le boss. Voilà.
la figurine. Elle est sympa aussi celle-là. Elle est sympa. Si vous voulez voir les détails. Voilà. Hop, et évidemment, toujours pareil, hein, l'ensemble de cartes qui vont avec. Là, c'est pas la peine que je vous déballe ça. Je vous ai déjà tout montré sur les boîtes précédentes. Et on va regarder la figurine quand même de la figurine aussi de notre expansion. Voilà. Au niveau des rangements, si je fais pas n'importe quoi, c'est quand même pas mal fait. Voilà. Allez, et la dernière, comme ça on aura tout vu aujourd'hui. Celle-là. Donc, Sir Gérald contre Light Seeker. Et là, on a le all-in, hein. C'est là le complet. Donc ça, par contre, là, vous n'avez pas tout en magasin. Donc pareil, livre d'introduction, les scénarios que je ne vous montre pas, ça vous découvrirez par vous-même. Voilà. Le boss est sympa aussi. Voilà, fort sympathique. Même chose, plateau de héros, le héros qui paye pas de mine à côté du gros boss. Voilà, et après, mais évidemment, toujours pareil, les cartes de référence et les cartes qui vont avec cette extension. Voilà. Et ben écoutez, j'ai fait le tour de l'unboxing de Kingdom Rush. Avec vraiment, là, c'était le all-in qu'on vient de recevoir donc cette semaine, là, surtout ce samedi. Il y a beaucoup d'envois qui sont arrivés aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, ceux qui ne l'ont pas encore reçu et qui évidemment qui l'ont pledge, le Kickstarter, ça devrait arriver la semaine prochaine. Et vous avez la possibilité de l'avoir aussi en boutique, la version de base, je vous disais le ludopathe, aux alentours de 55 euros pour la version, la boîte de base. Voilà, c'est quoi? C'est donc un Tower Defense de 1 à 4 joueurs. Au niveau du gameplay, c'est accessible, donc vous pouvez y jouer en famille. Mais attention, par contre, le nerf du jeu, c'est quand même, ça reprend l'appli mobile et il va falloir faire quand même un mode campagne pour que ça soit bien intéressant, puisqu'on va améliorer les personnages, on va améliorer aussi tout ce qui va nous tomber sur la figure. Et donc, il va falloir découvrir l'histoire du jeu et de partie en partie enrichir le gameplay aussi, etc. Donc, un jeu qui se joue en campagne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cet unboxing. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui sur ce live entre guillemets non prévu. J'espère que ça vous a plu. J'en ferai d'autres, hein, quand ça arrive comme ça, les jeux, j'en ferai d'autres. Oui, week-end studieux, nous dit Odd. Et oui, j'avais pas vu, tout à fait. Ça va être un week-end studieux. On va bouquiner, on va bouquiner. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine, lundi, pour le grand quiz où il y aura donc 12 jeux de société à gagner. Pas mal de partenaires et d'éditeurs partenaires et les invités aussi. Donc je suis très heureux. C'est le grand quiz pour fêter les 6 mois de la Garageux. Le mercredi, c'est Dinoblivion qui est voté. On fera la session, le scénario solo numéro 3 qui est fait par Fanmade, par Session Solo et Solo Games. Donc on aura du coup sûrement Jeff, de l'auteur du jeu, qui sera là mercredi soir sur le live à 21 h. Et ensuite, jeudi, j'ai reçu le prototype phase finale parce que le financement participatif arrive début 2021. Donc, The Road, le jeu de Youssef Fary qui est de les éditions Eulon Edition. Donc, c'est le deuxième jeu de Youssef Fary. Le premier, c'était Way of the Samurai, qui est vraiment une petite perle ludique. Et donc, ça, on va y jouer jeudi soir, le 17 à 21 h, si vous voulez jouer avec nous. Et si vous voulez poser vos questions aussi, parce que l'auteur du jeu sera là. Donc, n'hésitez pas à venir sur le live et poser toutes vos questions à l'auteur du jeu jeudi soir. Et à venir jouer, évidemment, avec nous à la Garage.
Voilà, je crois que j'ai fait tout le tour. En tout cas, ben, amusez-vous bien. Profitez bien du jeu si vous voulez le recevoir aussi. Moi, je vais m'amuser à lire les règles et puis surtout à préparer le live de lundi parce que ça demande beaucoup de boulot quand même à la garageux. Et puis, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve très très vite. Voilà, amusez-vous bien. Bye bye. Ciao, ciao. À bientôt. Merci aussi à tous ceux qui sont passés. Faire un coucou. À bientôt, Magico. Cotique, ciao le ludopathe, Odd, ludiquement solo, désolé que j'avais pas vu aussi d'ailleurs, Joypad et tous ceux qui viennent, voilà, qui étaient arrivés, que j'avais pas vu tous les messages sur le chat. Voilà, ça reste raisonnable vu le contenu, tout à fait. Allez, ben je vous dis bon week-end et puis à tout bientôt.